Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Mais bonjour monsieur, bienvenue au Grand Action, c'est une joie infinie de vous recevoir, toujours aussi nombreux, à l'occasion de cette nouvelle séance de notre ciné-club Univers Convergent, qui nous est proposé par l'IHP, et plus particulièrement par son directeur adjoint, Jean-Philippe Usan. Bonsoir. Jean-Philippe, tu sais que je suis très heureuse de t'accueillir. Je n'essaierai pas de le cacher. Heureusement, parce que sinon je m'en vais. Alors, c'est un grand bonheur. On va voir un film formidable, Real, de Kyoshi Kurosawa. Est-ce que je vous en parle tout de suite? Vas-y, si, tu, hein, si ça te brûle, il ne faut, pas hésiter. Alors, comme tu veux, soit tu parles de ces dames intervenantes. Non, vas-y. T'es lancé, vas-y, c'est bon. Alors, Kyoshi Kurosawa est l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma japonais contemporain. Contrairement à ce que son nom pourrait nous laisser supposer, il n'a strictement aucun lien de parenté avec l'immense Akira Kurosawa. Kyoshi Kurosawa est né à Kobe en 1955 et il a toujours... C'est un homme qui oscille entre les mondes. Il oscille entre le monde de la télé, le monde du cinéma, entre l'audiovisuel et le monde universitaire, et il oscille entre le réel et l'irréel. D'ailleurs, c'est très étonnant que son film s'appelle Real. Il est adapté d'un roman qui s'appelle A Perfect Day of Pleasures. Ça veut rien, c'est un idiome, le dernier mot. Donc, c'est beaucoup plus joli. Et Real, justement, c'est très étonnant pour qualifier ce réalisateur qui a, comme beaucoup de réalisateurs japonais, un rapport très, très ténu avec la réalité. Il a fait d'ailleurs un film qui s'appelle L'autre rive, qui dit ce que ça veut dire. C'est toujours un lien entre les morts, les vivants, entre le passé, le présent. Son cinéma est peuplé de fantômes. Là, il va nous parler d'une jeune fille qui est dans le coma. Donc, bien entendu, le coma, c'est un moment privilégié pour un cinéaste comme Kyoshi Kurosawa, puisque c'est donc un lieu de passage entre les deux mondes. C'est le film Cure qui nous l'a fait connaître par le haut public européen en 1997, et il est essentiellement connu pour Tokyo Sonata et Shokuzai. Je pense que je vous ai à peu près dit l'essentiel. Je vais vous laisser découvrir cet immense film. Si vraiment ce type de cinéma vous plaît, imaginez-vous qu'il a sorti un film en 2016, un film qui est coproduit par la France. Alors attendez, le titre c'est Le secret de la chambre noire, et une fois de plus, oui, absolument, c'est un superbe film. Il est sorti il y a 2 mois, il est encore sur les écrans, donc allez le courez le voir si vous aimez Real. Et il est là aussi question de personnages hantés par leur passé, hantés par une sorte de faute originelle, de péché originel. Alors, les psychanalystes diraient que le cinéma de Kyoshi Kurosawa consiste toujours à aller chercher une faute originale et essayer d'aller dans le passé pour la corriger, pour corriger quelque chose. C'est en fait le principe de la cure analytique. Voilà. Bon, eh bien, cette fois-ci, j'ai tout dit. Bon, bah, c'est bien. Donc pour discuter autour de ce film, vous avez bien compris qu'on allait parler de cerveau, de conscience. Aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on entend parler de tous ces progrès sur l'imagerie cérébrale et tout ce qu'on est en train de découvrir sur la façon dont le cerveau fonctionne. Donc on a 2 intervenantes ce soir. Tout d'abord, Lucie Ernst-Panier, tu peux te lever comme ça les gens voient qui tu es. Qui travaille dans un département d'imagerie biomédicale au laboratoire Neurospin, vous savez, qui a été créé, c'est à Saclay, c'est ça, à côté du CEA. Et d'ailleurs, ça fait partie du CEA. Tu nous en diras un petit peu plus, parce que je crois que en termes d'IRM, c'est les IRM les plus puissants du monde. Et donc, ça se passe en banlieue parisienne. Donc là aussi, on est à la pointe de la recherche. Vous voyez, il n'y a pas qu'en maths qu'on est à la pointe de la recherche, ni en physique, aussi, en cerveau, c'est pas mal. Quoi, il faut du cerveau pour faire des maths et de la physique, mais c'est pas le même type de cerveau. Et nous aurons aussi Corinne Sembrun qui est ici, qui
alors qui, elle, est écrivain voyageuse et qui travaille avec des chercheurs en neurosciences pour comprendre les phénomènes de transe chamanique et en particulier avec des chamans de Mongolie. Donc vous voyez bien qu'on va aborder la notion de la conscience, la notion du cerveau, avec des approches qui sont peut-être un petit peu différentes, la notion aussi bien scientifique et, je veux dire, habituelle, mais aussi en termes ethnologiques peut-être, ou culturels, et ça va peut-être nous ouvrir des horizons, savoir comment est-ce qu'on pense. Est-ce que nous voyons tous le même film? Probablement pas. On en discute après. Les critiques qui sont fans absolus de Real, et il y en a beaucoup, hein, disent que c'est un film qui mérite une dizaine de visions, parce qu'à chaque fois on peut le voir sous un angle différent. Bon, donc on fait ça et on se voit demain matin. Excellente projection.一旦ペンが止まると急に心がふわふわしてきて、あの首の画面の絵、完璧だったんだ。あなたたちに私の漫画がわかるはずない。まるで現実みたいでした。彼女の意識下に入り込むことができるのは藤田さんしかいません。 教えてくれ。どうしてあんなことしたの。厚み時に元通りになるからさ。そしたら母さんだけ会ってやってよ。そうね、そするわ。いや、こう言うと残酷かもしれないけど、読者もうすうす感づいてるんです。厚みは本当に俺ともう一度会いたいと思ってるんでしょうか。私もうこのままずっと目が覚めないんだよね。俺が絶対そんな風にはさせないから。 これが私、目が覚めても忘れないで。そうか、思い出した。ここは私の意識の中でしょ。どうにでもなるんだ。 Alors pour ceux qui étaient là le mois dernier, vous avez vu, il y a différents traitements du dinosaure en cinéma. On pourrait faire une petite dissertation de l'utilisation du dinosaure en cinéma. Mais venez, venez, parce que si je suis tout seul, j'ai rien à dire. Bon, je vous laisse respirer 30 secondes, nous aussi. Bon, j'espère que ça vous a fait rêver un petit peu et fait réfléchir. Alors, vous voyez, il y a ce personnage dans le coma. Donc, peut-être que pour commencer, ça serait bien de parler un peu de ce que c'est que le coma. Parce qu'on voit des gens qui communiquent avec quelqu'un qui est dans le coma. Il y a peut-être un an ou deux, j'avais vu une conférence de Stéphane Le Bihan. Il reportait aussi des tentatives de. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça communication. Mais j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses quand on est dans le coma. Waouh, ça commence bien. Ça commence carrément fort. Bon, bah on y va. Parce qu'on est là pour un temps limité, alors on a plein de choses qu'on veut savoir. Alors, je crois, en fait, une des questions que je me suis posée quand j'ai vu le film, c'est de savoir si c'est vraiment un coma. Vous me direz, on s'en fout ? Pas du tout. On s'en fout pas du tout. Y a, dans les altérations de la conscience, il y a plusieurs états, vous en avez entendu parler sûrement. Et bon, peut-être on peut parler du coma pour commencer. Le coma, c'est effectivement une absence de conscience. Disons que sur le plan cérébral, ça s'accompagne d'un certain nombre de choses. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de coma. Il y a par exemple un truc qu'on appelle le coma vigile. Alors ça commence pas bien, parce que si on est vigile, c'est qu'on n'est pas dans le coma. Et pourtant si. Premier stade du coma, et puis le stade coma dit, à l'époque on disait dépassé, qui est un coma absolu et complet, c'est celui dont on va parler là pour se simplifier la vie, où il n'y a pas de conscience, où il n'y a aucun mouvement spontané, en particulier pas de la respiration, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne respirent pas tout seuls, bien entendu, pas de la déglutition, pas de quoi que ce soit. Vous avez vu qu'on lui regarde les yeux, là, c'est parce qu'on cherche à regarder si la pupille se dilate ou se contracte quand on passe la lumière. Devant tout un chacun, quand vous mettez de la lumière, la pupille se contracte. Quand la pupille ne se contracte pas, c'est que franchement, ça ne va pas trop bien. Pourquoi ? Parce qu'en gros, pour résumer, dans le cerveau, il y a trois parties. Il y a les hémisphères cérébraux,
il y a le cervelet qui contrôle un certain nombre de trucs, et puis il y a le tronc cérébral. Et quand le tronc cérébral est atteint, ça donne des situations de type coma qui sont particulièrement, pour ce qui est de la respiration par exemple, liées à une atteinte particulière. La vigilance, l'éveil, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très complexe, bien entendu. Je ne vais pas résumer ça. En plus, je n'ai pas navigué dans la vigilance toute ma vie. Mais en gros, la vigilance, c'est une association complexe d'une interaction entre une substance très très importante qui est dans le tronc cérébral, qui s'appelle la substance réticulée, et puis l'ensemble des hémisphères. Alors pourquoi tous ces petits détails comme ça? C'est que finalement, les personnes dans le coma, en général, c'est de façon aiguë après un traumatisme crânien, un AVC, une noyade, ce que vous voulez, sont effectivement dans cette situation-là. À la fin, vous voyez qu'il ouvre les yeux, ce qui est une signification de la sortie du coma. Mais il y a plein d'autres états qui pourraient ressembler à ça éventuellement. Et en particulier, il y en a un dont vous avez entendu parler, le scaphandre et le papillon, par exemple. Donc c'est aussi une atteinte du tronc cérébral, à la différence du coma. Dans le coma, il y a une atteinte du tronc cérébral et de la périphérie. Et dans le coma, au moment où son cœur s'arrête et où son électroencéphalogramme est plat, il est en coma complet. Alors que dans le Loctin syndrome, c'est une atteinte de la sortie donc du tronc cérébral, qui est l'interface, si vous voulez, entre... il y a des comparaisons d'informatique un peu basiques, mais bon. L'interface entre le cerveau et le reste du corps, et c'est uniquement là que ça ne marche pas. Et donc, en fait, ce sont des gens qui, à l'inverse, ont une conscience parfaite, qui ont une présence parfaite, qui sont tout à fait là, mais strictement incapables de manifester quoi que ce soit, de sorte qu'il est compliqué de faire la différence parfois. Alors, le Loctin syndrome, maintenant, c'est bien connu, mais il y a des formes un peu complexes, multiples, en fonction des lésions cérébrales. Donc, dans le coma, il n'y a vraiment pas de conscience, il y a vraiment, dans le coma stade 4, il n'y a vraiment pas de conscience, le cortex est atteint aussi, la substance réticulée est atteinte. Dans le Loctin syndrome, il n'y a que le tronc cérébral et le cortex est bien. Et puis, il y a les états neurovégétatifs chroniques, dont vous avez entendu parler, ou post-irrelationnels, on en entend beaucoup parler pour des raisons d'actualité que vous connaissez, qui sont des états où il est finalement assez... Il y a certainement une lésion cérébrale, considéré comme irréversible, sinon c'est... Voilà. Et également sans doute des lésions du tronc cérébral, mais la difficulté, c'est de savoir quel est le niveau de conscience de ces gens qui, de toute façon, ont quasiment aucun moyen de manifester leur présence. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas d'investigations. Et je pense que c'est de cette espèce d'ambiguïté entre les niveaux états de conscience qu'est venu ce film. J'espère que ça n'a pas été trop tordu, ce que je vous ai raconté. Mais quand même, là, tu dis, quand l'encéphalogramme est plat, tu parlais de coma stade 4, et eux, ils ont l'impression de dire qu'il est mort. Moi, ça me fait peur, ça, parce que... Alors, parce que là, on se pose quand même la question, il y a un moment, ils ont l'impression, ils annoncent la mort, un moment, et ils donnent une heure et tout ça, et il se passe un truc, et à la fin, il n'est plus mort. Alors, oui, c'est clair, c'est un film fait, de fiction, mais quand même... Je me rends compte que peut-être j'ai d'ailleurs en revoyant, parce que pendant que tu parles la dernière scène, c'est son cœur qui s'arrête, et il le dit mort parce que son cœur s'arrête. Alors il y a deux situations. Bon, la première, c'est que quand le cœur s'arrête durablement et qu'on ne fait pas le massage cardiaque externe, à ce propos, vous avez tous fait le brevet de secourisme, bien entendu, hein, vous, tous, donc on voit quelqu'un en arrêt cardiaque, on masse, on discute pas, on masse, on appelle, on masse. Voilà, bon, ça c'était petit chapitre sur le secourisme. Quand le cœur s'arrête, le cerveau tient pas le coup 3 minutes. En gros, si la circulation n'est pas assurée, de l'intérêt de masser, puisque ça maintient la circulation. Donc, autrement dit, quand le cœur s'arrête, la circulation s'arrête. Si on masse pas, la circulation cérébrale s'arrête. Le cerveau ne tient pas 3-5 minutes. Voilà, de l'intérêt de masser. Là, le cœur s'arrête, donc peut-être le cerveau n'est pas encore tout à fait mort. Donc, il a quand parlé 3 minutes trop tôt plein... Il a parlé 3 minutes trop tôt. Oui, enfin, non, il était... Alors, c'est les états
que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui sont les états dans lesquels on maintient en vie la personne avec de la réanimation très intensive, etc., pour permettre le don d'organes. Je ne vous ferai pas le chapitre sur le don d'organes, vous êtes tous inscrits, bien sûr. Bref, et donc là, il est dans un état de mort cardiaque, mais pas forcément de mort cérébrale, d'où l'idée qu'il puisse éventuellement récupérer. Enfin bon, tout ça est très allégorique quand même, hein, il faut bien reconnaître. Voilà. Alors Corinne, est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que il y a toute une réflexion quand même sur la conscience. On peut parler, tu parlais de transe, mais il y a aussi peut-être quelque chose qui est très proche avec des séances d'hypnose qu'on peut faire pour rechercher des souvenirs. Et est-ce que quel type de comparaison est-ce que ça t'inspire d'avoir vu ce film? Ça inspire évidemment la notion d'état modifié de conscience et ce qu'on vit pendant les transes, qui est évidemment différent de ce qu'on vit dans l'état de conscience ordinaire. Donc on peut se dire en voyant ce film que c'est pas possible. Et que, en fait, ce qu'on peut imaginer qu'on puisse voir dans un état de coma est certainement différent de la réalité qu'on a l'habitude de percevoir, parce que le cerveau fonctionne différemment. Donc s'il fonctionne différemment, il nous donne accès à une réalité différente. Voilà. Donc c'est ce que ça m'inspire d'abord, et c'est vrai que les images de transe sont différentes de celles qu'on voit dans la réalité, mais on vous dit que l'interface cerveau étant, son fonctionnement étant modifié, c'est les recherches qu'on a fait sur l'état de transe. En fait, la transe montre un fonctionnement cérébral qui est différent de l'état habituel. Donc, les chercheurs nous disent, bon, ben, si l'état du cerveau est différent, l'accès à la réalité est différent. Et donc, c'est probablement ce qui doit se passer là. On n'a pas du tout les mêmes images pendant la transe que les images qu'on voit ici. Parce que donc déjà il faudrait définir ce que c'est, un peu nous y dire un peu, parce que l'état de transe, on a des images nous, mais je suis sûr qu'on ne sait pas ce que c'est l'état de transe. Peut-être nous expliquer un peu ce qui se fait, ce qu'on fait, et en quoi est-ce que cet état-là intéresse des gens qui font des études en neurosciences, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces états-là par rapport à notre compréhension du fonctionnement du cerveau, de la conscience. Alors, l'état de transe est un état qui a été pratiqué par les chamans dans tous les pays du monde. Alors, cet accès à la transe est différent en fonction des populations et d'un environnement. En Amazonie, on va utiliser des plantes psychoactives. En Mongolie, on va utiliser des tambours. En Afrique, on va utiliser parfois des plantes comme l'iboga ou parfois la danse pour accéder à ce qu'ils appellent cet état de transe. Et à quoi sert cet état de transe? Dans toutes les populations, l'idée derrière la transe est d'aller interroger, d'accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Donc on va les appeler les zombies philosophiques. Non, j'ai bien aimé les zombies philosophiques, mais parce qu'on a des visions pendant la transe et on voit des trucs comme ça, justement. Voilà. Ce que je disais, c'est que j'ai pas potassé assez, mais la première fois que j'ai vu le film, bien sûr, je suis allé voir ce que c'était que les zombies philosophiques, c'est tout à fait un truc sérieux. Donc, mais j'en parlerai pas parce que j'ai pas repotassé juste avant, donc je vais dire des bêtises. Voilà, donc ils ont développé tous ces techniques-là pour aller interroger ce monde des esprits. Et alors quand on arrive là-bas, moi je faisais un reportage pour la BBC en Mongolie sur les mystères mongols, et donc je devais essayer de découvrir ce que voulaient dire les pratiques chamaniques en Mongolie. Et quand je suis arrivée là-bas pour faire ce reportage, le chaman joue du tambour pour entrer en transe là-bas. Et son rôle, c'est d'aller interroger ce monde des esprits, de poser les questions que le consultant vient poser, qui tournent en général autour d'un problème qu'a le consultant. Et le rôle du chaman, c'est pas tellement de le soigner ou de le guérir, c'est simplement d'aller demander aux esprits quelle est la raison du problème, pourquoi cette personne a ce problème. Voilà. Donc les esprits sont censés répondre. Alors, moi, lorsque j'ai assisté à cette première cérémonie, le chaman a commencé à jouer du tambour. Et en fait, le tambour m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à trembler et à avoir l'impression de me transformer en loup, en fait. Et je me suis mise à hurler comme un loup. Et c'était très flippant, je peux vous dire, parce que j'avais toujours conscience, pendant ces transes-là, on a toujours conscience de ce qu'on est, mais simplement, c'est comme si tout d'un coup, le bouton contrôle ne marchait plus. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de sauter, de hurler comme un loup et de faire le loup, quoi, en gros.
Oui, vous pouvez faire ces têtes parce que c'est quand même c'est très très flippant. Et donc quand on sort de cet état, les psychiatres que j'ai rencontrés après pour travailler sur mon cerveau m'ont dit que ça s'appelait un état de décompensation psychotique. Et le chaman m'a dit, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais chaman ? Voilà. Et c'est intéressant de voir les deux approches, justement, et les deux cultures. Voilà comment l'histoire a commencé. Et donc c'est comme ça qu'on devient objet d'expérience ? C'est comme ça qu'on devient objet d'expérience, mais c'est pas si simple, parce que c'était en 2001, cette histoire. À l'époque, parler de trans, c'était un peu bizarre. Et j'ai eu, moi aussi, besoin de me rassurer sur cet état, parce que quand même, à l'époque, les anthropologues vous disaient que la trans, c'était une théâtralisation, comme Roberta Maillon, par exemple, à l'EHESS. Elle disait que c'était une théâtralisation, la trans. Et puis, on parlait pas de ça, on voulait pas le reconnaître. Et moi, je voyais bien que, quand je vivais cette expérience, c'était pas culturel, c'était un phénomène cognitif que je voilà. Et donc j'ai voulu rencontrer des chercheurs pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le cerveau à ce moment-là. Et donc c'est là qu'on a découvert avec le professeur Florent Henry au Canada, qui dirige un service de psychiatrie, il est neuropsychiatre, dirige un service de psychiatrie à l'Alberta Hospital au Canada, qui est un des plus grands hôpitaux psychiatriques, et qui travaille à l'université. Et lui dirigeait le laboratoire d'enregistrement EEG. Donc j'ai pas coupé à l'hôpital psychiatrique de toute façon. Et donc ils m'ont fait faire des démonstrations devant des psychiatres et neuropsychiatres, mais pour arriver à ce qu'on pose des EEG sur ma tête, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il y a le phénomène d'artefact musculaire, donc qui fausse les enregistrements EEG, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'activité cérébrale pure, mais on voit l'activité musculaire qui est reportée sur les EEG. Et donc ils m'ont dit, avant qu'on puisse faire ces expériences, ils m'ont dit, il va falloir, un, te passer du tambour pour entrer en transe, et deux, que tu t'agites un peu moins là, parce que faire le loup comme ça, t'imagines dans un laboratoire ce que ça va faire. Et vous avez vu tous les fils qui sont accrochés à la personne, il dit vous allez tout nous casser hein, avec le tambour et tout ça. Donc il a fallu que je m'entraîne à induire la transe par la volonté. Et ça je ne savais pas si c'était possible. Alors je me suis entraînée d'abord à écouter des enregistrements de tambour, ça n'a pas du tout marché. Et après je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'entrais en transe, je commençais à trembler comme ça. Et je me suis dit, peut-être, ça faisait déjà 4-5 ans que j'étais en Mongolie, j'ai passé 8 années de façon à apprendre à maîtriser tout ça, à la frontière de la Sibérie, en Mongolie. Et en induisant ce tremblement, mon cerveau a retrouvé l'état de transe. Voilà. Et donc là, je me suis entraînée à faire ça de mieux en mieux. Et quand j'ai été prête, je suis retournée voir les chercheurs qui m'ont dit, là, c'est bon, on peut faire des EEG de votre cerveau. Voilà. Et donc ils voulaient savoir, en fait, est-ce que cet état modifiait le comportement du cerveau ou pas ? Ou est-ce que j'étais effectivement folle ? Voilà, et donc on a fait. La réponse a été que mon cerveau était sain. Était sain, j'étais quand même rassurée. Mais que pendant l'état de transe, donc on est en 2007, il a comparé les tracés à trois groupes. Contrôle, un qui souffrait de schizophrénie, l'autre de manie, l'autre de dépression. Et il a trouvé que l'état de transe ressemblait aux trois états à la fois. À la fois. Donc pour lui, c'était un état de psychogénéralisé, la transe. Et ce qu'il ne comprenait même pas. Même sans tambour, ouais, voilà. Fou, ouais. Non, ce qu'il montre, c'est vraiment une capacité du cerveau, c'est un phénomène cognitif. Oui. Et donc, il ne comprenait pas comment un cerveau sain pouvait induire juste par la volonté un état si pathologique, si stressant pour le cerveau, puisque en comparant à ces pathologies, c'était similaire. Mais ce n'était pas pareil quand même. Hein. Et que je pouvais en revenir comme ça, juste par la volonté, sans en garder aucune séquelle. Et ça, il ne comprenait pas. Donc, il voulait publier là-dessus, le professeur Florent Henry, au départ, en disant que pour lui, c'était un état pathologique, mais que le cerveau arrivait à pouf. À faire l'interrupteur, et voilà. Et l'article n'a jamais été publié, et là, il va être publié dans quelques jours, là, ça y est, enfin, dans une revue scientifique américaine, et il a changé d'avis entre-temps, en disant, le titre de l'article, c'est ça, justement, c'est « Est-ce que c'est un état pathologique ou pas ?» Et la réponse, c'est que non, c'est pas un état pathologique, c'est un état qu'on ne connaît pas, avec une modification du comportement du cerveau et une prédominance de l'hémisphère droit, pour ceux qui connaissent, moi je dis ça, je répète comme un perroquet, mais je ne comprends pas ce que je dis, c'est qu'il y a une augmentation des puissances spectrales dans les zones de Brodmann 2, 6 et 40, surtout dans l'hémisphère droit. Ça vous dit quelque chose ? On peut avoir une traduction, parce que là
Là, ça va être l'échec total, ce ciné-club, ce soir, parce que si on commence à parler ce langage-là, moi, je ne peux pas traduire. Là, franchement, j'y connais rien. On va le faire avec les mains. Le cerveau... Pardon, je reviens 3 secondes en avant. Le cerveau, c'est beaucoup d'eau, 95% quand même, hein, de flotte. Ça rend humble. C'est pour ça qu'on parle de la mémoire de l'eau, alors c'est voilà. Celle-là. C'est beaucoup d'eau, pas mal de chimie, de l'électricité, et puis accessoirement d'autres trucs. Ouais. Oui, ça fait des courts-circuits d'ailleurs, ça s'appelle l'épilepsie. Donc en pratique, le cerveau, c'est une activité aussi lente. Donc ça fait, en gros, ça fait ça. Alors ça dépend des endroits, évidemment, puisque notre cerveau n'est pas une masse informe, comme chacun sait. Il y a des endroits qui sont spécialisés dans divers... Enfin, chaque endroit, en gros, a sa spécialisation. Tout ça fonctionne en réseau, c'est super compliqué. On a compris 3% de ce qu'il y avait à comprendre. Bref, ça fait une petite oscillation comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? Augmentation de la puissance spectrale. 2, voilà. 6 et alors, 40. On va déjà faire l'augmentation de la puissance spectrale, c'est vachement facile, ça fait comme ça. Ça, c'était pas très compliqué. Alors, évidemment, c'est pas comme ça qu'on le regarde, mais c'est pas grave. Ceux d'entre vous qui sont scientifiques, vous savez ce que c'est qu'une analyse spectrale, donc je vais pas vous faire de dessin. Bref, ça fait comme ça. D'ailleurs, un jour, tu nous as montré, moi j'ai regardé un film, hein, on voit. En général, on s'inquiète quand on voit ça, non ? Voilà. Alors après, les aires de Brodmann 2, machin, etc., en gros, c'est un espèce de GPS cérébral. Enfin, Brodmann, c'est un type qui faisait de l'anatomie au début du 20e, donc il y a plus d'un siècle, et qui avait récupéré un certain nombre de cerveaux. Et comme il était un grand obsessionnel, il a disséqué des bouts de cerveau, il les a regardés au microscope, et il s'est rendu compte qu'en fonction des endroits du cerveau, ce n'était pas le premier à le faire, mais quand même, l'organisation des cellules, les couches du cortex, tout ça, ça n'a pas la même gueule. Ah, c'est pas pareil dans l'endroit qui contrôle ma main que dans l'endroit qui contrôle ma parole, etc. Ça s'appelle la cytoarchitectonie. Bon, bref, c'est de l'architecture cérébrale à base de couches, de connexions et de corps de neurones. Et Brodmann, comme un grand obsessionnel qu'il est, a décrit la totalité des régions qui se départagent, démarquent les unes des autres par leur cytoarchitectonie. Voilà. Bon. Alors les aires 2, 6 et 40, en l'occurrence 40 c'est une aire qui sert au langage, 6 c'est une aire qui sert à la mobilité, et 2, je vais vous dire un truc, je ne me souviens pas où c'est. Voilà, donc l'augmentation de la puissance spectrale, ça veut dire qu'il y a une suractivité dans ces régions-là. D'accord. C'était une façon simple de terminer l'affaire, non ? Non, mais ce n'est pas terminé, parce que, par exemple, là, on parlait de neurospin tout à l'heure, est-ce que, voilà, c'est ce genre de questions par rapport à... Est-ce que c'est des questions qui vont... On a souvent le débat, par exemple, de savoir si certaines questions doivent intéresser les scientifiques ou pas. Là, on est un peu à la limite. Tu disais que ça a été un petit peu dur que les gens s'intéressent au phénomène. Le papier, c'était quand, ces études ? En 2007, donc en général, un papier qu'il faut 10 ans pour être publié, c'est que on est tombé sur des référés, soit qui sont... C'est moyen, ça. Ouais, je sais pas, chez nous, c'est un peu long. Donc comment est-ce qu'on fait ce genre d'études dans une zone qui est un peu une zone grise, et là, je parle pas du cerveau, pour une fois. Donc, ces études, on peut se dire, ça peut intéresser des scientifiques, mais peut-être pas, il peut y avoir des soupçons. C'est une zone grise, mais moi, ce film a évoqué vraiment beaucoup de choses très neurosciences. Bon, il y a des aspects d'instrumentation qui sont assez rigolos, hein, le système avec les deux ronds qui ressemblent à des boucles magnétiques, où ils ont mélangé l'idée que c'est une IRM et un scanner, parce que vous avez vu, il y a un laser qui tourne en rond, ça c'est du scanner X, hein. Dans les IRM, il n'y a rien qui tourne en rond du tout, mais enfin bref, anyway, c'est très drôle, ça c'est mignon. Il y a un certain nombre d'outils, et puis il y a des outils, EEG, bien entendu, et vous vous souvenez de ça, là, ceux qui sont d'entre vous qui sont faux, hein? Ouais, ça vous rappelle, hein. Un champ électrique, un champ magnétique et la force. Bah, donc quand on a, non, c'est pas. C'est le produit vectoriel. C'est comme ça ? Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc le champ magnétique, le champ électrique et puis la force. Et donc chaque fois qu'il y a un micro champ électrique, il y a un micro champ magnétique perpendiculaire. Bon, vous savez, notre cerveau, comme c'est que de l'activité, je vous l'ai dit, beaucoup de flotte, un peu d'électricité, de la chimie.
ça émet des micro-champs électriques, perpendiculairement, ça émet des micro-champs magnétiques. Donc on a plusieurs moyens maintenant pour quand même regarder en grand détail ce genre d'activité cérébrale, et ce genre d'étude se fait normalement un peu mieux. Cela dit, le problème des artefacts de mouvement, la science c'est parfois extrêmement trivial, c'est un problème épouvantable, je comprends parfaitement que ça a été vraiment difficile. Toujours est-il que, avant de commenter ce qu'on fait à Neurospin, parce que c'est pas Neurospin qu'on le fait, ce que cette manip, enfin ce que ce truc évoque, c'est des manips qui commencent à être faits dans le domaine de ce qu'on appelle la cognition sociale. Parce que les fonctions cognitives, c'est pas seulement parler, lire, compter, calculer, voilà, et faire de la géométrie dans l'espace, n'en déplaise aux mathématiciens de la salle. Toujours est-il qu'il y a ce qu'on appelle un champ gigantesque de la cognition sociale, que vous imaginez bien, les émotions, les relations interpersonnelles, tout un tas de trucs. Et puis, dans le domaine de la pathologie humaine, l'autisme, les troubles des schizophrènes, etc. Bref. Et dans ce domaine de la cognition sociale, il y a une technique qui est en train de se développer. Enfin, ça fait maintenant 15 ans. Le premier papier, c'est 2002. Et ça s'appelle hyperscanning, l'hyperscan. Alors l'hyperscan, ben, c'est exactement ça, et je trouve que ce serait super intéressant de regarder si... Enfin bref, vous verrez. Ça consiste tout simplement, mais ce n'est pas du tout tout simple, ça consiste à enregistrer l'électroencéphalogramme de plusieurs personnes qui interagissent ensemble simultanément. Okay. Donc il y a tout un tas de paradigmes. Alors il y a eu des études invraisemblables, c'est vachement rigolo, genre des guitaristes qui se mettent en rythme, ensemble, pour jouer pour faire un bœuf, quoi. Voilà, ils jouent ensemble. Des gens qui jouent aux cartes, des gens qui font le dilemme du prisonnier, c'est une histoire bien connue de tâches cognitives à risque, de prise de risque, où finalement, quand les gens n'interagissent pas ensemble, ils prennent toujours la moins bonne solution, alors que s'ils interagissaient ensemble, ils prendraient la meilleure. Donc, tous ces domaines-là, donc, vous enregistrez en même temps les EEG de deux personnes. Et ce que l'on peut observer, qui est très démontré maintenant, et tout à fait sérieux, c'est que vous trouvez des cohérences de phase du signal, autrement dit des rapports, des similarités d'oscillation, si vous voulez, cérébrales, dans des endroits spécifiques, quand les gens arrivent à rentrer dans une vraie communication entre eux et arrivent à faire une tâche commune, etc. Ça s'appelle hyperscanning. Je vous recommande de regarder certains papiers, c'est trop mignon, il y a le comportement des amoureux, enfin, il y a... Voilà. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que physiologiquement, c'est tout à fait évident que quand on s'engage dans une tâche particulière, notre fonctionnement cérébral change. Enfin, encore heureux, c'est même comme ça qu'on s'engage dans une tâche particulière. Ce que je trouve particulier dans ce que tu racontes, c'est effectivement la capacité d'enclencher le truc et de l'arrêter. En soi, que l'état cérébral soit modifié quand on est dans une transe ou quand on est, enfin voilà, quand on fait une tâche, c'est même la base d'un certain nombre d'études. Ça s'appelle les potentiels évoqués, ceci, cela. C'est normal. Et donc, l'état est modifié. Ça, c'est dans des états physiologiques. Il y a des états transitionnels, l'hypnose et tout un tas d'états comme ça. Et puis, il y a des états pathologiques que vous connaissez, où c'est absolument évident. C'est, par exemple, certaines épilepsies. Donc, dans l'épilepsie, ça fait chut, comme ça, très fort. À peu près, ça ressemble un peu, hein, ce que tu montres. Et si certains d'entre vous ont ou connaissent des gens qui ont des épilepsies un peu particulières, l'épilepsie, ce n'est pas toujours le grand machin qu'on décrit dans les films, hein, pas du tout. Il y a des gens qui ont comme crise d'épilepsie la perception de mauvaises odeurs. Il y a des gens qui ont comme crise d'épilepsie le fait de voir temporairement double. Il y a des gens qui ont comme crise d'épilepsie strictement une impression terrible de peur. どうしたの? Etc. Et chaque fois que vous avez ce genre de choses, ça appelle à un dysfonctionnement focal dans la région du cerveau qui permet de voir double, l'olfaction. Ce sont donc des espèces d'illusions perceptives, mais qui sont liées à un pattern d'activité importante du cerveau. Dans des états, donc je dis, soit physiologiques, soit transitionnels, soit franchement pathologiques. Bon, je suis intarissable, donc... Non, mais, c'est bon, mais le fait de pouvoir le contrôler, parce que on peut, voilà, l'épilepsie, on voit que c'est plutôt une pathologie, donc on a l'impression que là, on est passif. Là, ce que tu racontes, c'est que tu peux contrôler ça, donc quelque part, c'est un peu comme si tu ouvrais d'une nouvelle façon de contrôler ton cerveau et son activité. Et comme il y a pas mal de films, d'ailleurs, qui parlent de ça, de savoir qu'on n'utilise qu'une petite partie de nos capacités, est-ce que, finalement... On pourrait en ouvrir plus.
Bah oui, on pense aujourd'hui que ces états enlèveraient certains systèmes d'inhibition. Ce qui expliquerait que dans ces états de transe, bah, tout d'un coup, si quelqu'un, on a filmé les transes en laboratoire, et quand on montre ces films, quelqu'un qui fait du tai chi dit « Oh bah tiens, je reconnais des mouvements de tai chi », quelqu'un qui fait du qigong dit « Oh bah tiens, je reconnais des mouvements de qigong », quelqu'un qui fait du taekwondo dit « Oh bah je reconnais », et puis un chanteur qui voit le film réalise à quel point je maîtrise la colonne d'air, et il me dit « Mais t'as pris des cours de chant ?» Je dis « Non », alors il me répond « Bah là tu m'énerves ». Parce que moi, j'ai mis des années à apprendre à contrôler la colonne d'air. Et dans cet état, alors que je ne pratique pas du tout le chant, dans cet état, tu fais des sons, mais d'une durée hallucinante. Nous, on met des années à apprendre à faire ça. Voilà. Donc, certains chercheurs disent peut-être que certains systèmes d'inhibition qui ont été mis en place par l'éducation, par le fait de vivre en société, peut-être que dans ce cas-là, ces systèmes d'inhibition sont levés. Et puis, on réalise qu'on sait faire des choses qu'on ne sait pas qu'on sait faire. Voilà. Et donc, ça, c'est un des trucs de la transe. Alors quant à l'induire par la volonté, et en fait on s'est rendu compte, en fait nous on a commencé à réfléchir justement si c'était un phénomène cognitif, infraconscient, je veux dire. Si c'est un phénomène cognitif, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive et qu'à certains chamans, je veux dire, c'est pas réservé à cette catégorie-là. Donc on s'est dit, en fait, dans les populations traditionnelles, ils ont trouvé des clés pour induire des transes, mais des clés qui ne sont pas forcément assez efficaces et que nos connaissances, justement, scientifiques permettraient peut-être d'améliorer pour en faire des clés qui marcheraient un peu sur tout le monde, sur beaucoup plus que... En Mongolie, par exemple, le tambour, il marche pour une personne sur 100 000. Il y a une trentaine de chamans en Mongolie pour 3 millions d'habitants, d'accord ? Avec les psychotropes, ça marche à tous les coups, hein, forcément. Mais dans ce qui est non psychoactif, il y a le tambour, il y a la danse, mais apparemment, c'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Donc moi, je pensais qu'on pouvait trouver des clés qui étaient plus efficaces, à condition d'isoler dans les séquences de tambour des séquences qui, pour moi, vraiment systématiquement me mettaient en transe, violemment. Donc ça, je l'ai isolé, je suis musicienne de formation, donc c'était facile. Donc je l'ai isolé et je l'ai donné à des chercheurs, voilà, et qui ont essayé de trouver dans ces outils quel était ce qui faisait basculer dans la transe. Est-ce que c'était la spatialisation du son? Est-ce que c'était le rythme? Est-ce que c'était la puissance? Est-ce que c'était quoi? Donc on est arrivé à fabriquer un outil qui sont des sons, essentiellement, non, que des sons pour l'instant. Et donc on a testé ces outils pour la première fois dans une école des beaux-arts à Nantes, avec des élèves pour qui je fais des workshops trans et création, voilà, on travaille là-dessus. Et c'est Léa Le Briconte qui est là d'ailleurs, qui m'avait invité à faire cette expérience aux beaux-arts de Nantes. Et c'est 16 élèves sur 20 qui sont partis en trans avec ces outils. Donc on était à 80% d'efficacité. Après, maintenant, on a continué ces tests avec des chercheurs et avec les psychiatres qui me disaient bien que j'avais une pathologie au départ. Et donc ça a fonctionné. Et donc là, on améliore ces outils, on en est à 85%. Et donc ces gens, non seulement entrent en transe grâce à ces outils pour des gens qui ne sont pas entraînés à ces techniques, ils entrent en transe à la première écoute. Et il y a un effet de transformation, et il y a un des psychiatres qui a eu l'impression de se transformer en mouche. Ça, c'est pour l'anecdote, parce que c'était super rigolo. En sortant de la transe, elle a éclaté de rire, elle a dit « Vous devinerez jamais, j'ai honte !» Parce que se transformer en loup, se transformer en aigle, enfin, avoir l'impression de se transformer, hein, c'est pas... Évidemment, on se transforme pas. Mais voilà. Donc, on a montré avec ces outils que, en fait, c'était vraiment un phénomène, un potentiel qu'on a en nous, qui nous donne accès à des perceptions différentes qui sont intéressantes, que les chamans utilisent. Et maintenant, il faut essayer de comprendre, à partir du moment où on a tous ce potentiel qu'on arrive, là on a montré qu'on arrivait à le développer, après il faut continuer l'étude, hein, bien sûr, mais pour l'instant on en a 85%, donc ça veut dire que sur 15% ça ne marche pas. Hein, quand même, et donc ce phénomène, et alors non seulement ils arrivent à vivre la transe, mais je leur apprends à auto-induire la transe, c'est-à-dire que là aussi, grâce à l'observation, en fait, lors de leur première transe, on voit des gestes qu'ils font, et chaque induction est propre à chacun, et on peut trouver des gestes qui vont, une fois qu'ils ont pratiqué ça pendant quelques temps, avec ces boucles de son, bah, ils peuvent trouver l'accès à la transe tout seul. Voilà, donc provoquer dans le cerveau, accéder à cet état et en revenir. Commentaire. Est-ce que je peux me transporter, me transformer en quoi? En fourmi.
Oh non, j'aurais trop peur de me faire marcher dessus. Ah. Non, mais c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais. Après, ça dépend de chacun. On choisit pas. Mais c'est pas forcément un animal, hein, ça peut être un personnage. On choisit pas. Voilà, puis, non, on choisit pas. Et c'est à chaque fois le même. Ah non, non, jamais. Non, non. Ah, jamais. Non, non, c'est un zoo. Hein. C'est jamais le même. Les chamans en Mongolie, vous dites qu'après après 20, 25 ans de pratique de la transe, en fait, on va être possédé, disent-ils, par, par 35 à 40 entités différentes. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est bon. Que tout ça aucune idée pour l'instant, hein, vraiment, on ne peut pas. Et puis, à quoi ça sert, on ne sait pas bien encore non plus. Hein. Bon. Là, je suis un peu scotché, quoi, si on n'avait pas prévu tout ça. Ça fait flipper. Mais il y a un autre point, donc on va continuer, mais qui est lié peut-être à ça, parce que là, on parle de libérer une partie du cerveau. Tu avais évoqué cette notion de la mémoire qui est aussi, dans le film, finalement, des choses, des souvenirs qui sont refoulés et qu'on fait ressortir. Là aussi, c'est accéder à une partie de notre cerveau, de quelque chose qui est stocké dans notre cerveau et y avoir de nouveau accès. Orare, Morio, Tokyusei datta. そうか、思い出した。あいつ、東京から来た俺に、いつも敵をむき出しにしてた。Est-ce que tu peux nous voilà, développer un petit peu ce point sur la mémoire ? Oui, en fait, quand j'ai vu le film la première fois, parce que j'ai bossé hein, quand même, j'ai été très frappée, peut-être comme vous, de la multitude, notamment dans la première partie du film, de la multitude de références au temps, bien sûr au passé, mais au temps. Il y a plein, c'est émaillé de commentaires sur le temps. Il n'y a plus de temps, c'était il y a un an, non, ben oui, non, le travail ça va bien, et puis la deuxième fois il vient, et puis il dit, mais ça fait un an que j'ai arrêté mon travail. Enfin bref, il y a des multitudes de références au temps et au passé, et en particulier dans la quête de soi. Bon, alors évidemment on peut le voir sur le plan psychanalytique, etc., mais enfin sur le plan scientifique, c'est simple, ça s'appelle le voyage mental dans le temps. Et le principe de ça, il y a là aussi beaucoup de symboles dans le film. Je voudrais juste tout de suite aller à la fin du film. Je crois que l'auteur a voulu nous balancer un symbole clair avec le pendentif. Vous avez vu ce que c'est dans le pendentif ? Vous savez où c'est l'hippocampe dans le cerveau ? Et à quoi ça sert ? Voilà. Donc, et à la fin, elle donne le pendentif au plésiosaure qui repart avec. Autrement dit, je pense que la métaphore, pour le faire simpliste, c'est sa culpabilité s'efface et il peut revenir à la vie parce que le plésiosaure est reparti avec une partie de ce souvenir culpabilisant et ancien. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. C'était une introduction pour l'hippocampe. La question de la mémoire, effectivement, dans le temps, et de la mémoire qu'on appelle autobiographique, ça parle de soi, qui fait partie d'un chapitre de ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Hein. En gros, il y a plein de systèmes de mémoire, parce qu'en plus, il y a des scientifiques qui vivent, c'est un pactole, la mémoire, hein. On peut vivre dessus toute sa vie et à plusieurs. Donc, on invente des nouveaux systèmes, des trucs vachement compliqués. Mais en gros, pour faire simple, il y a la mémoire dite des connaissances générales sur le monde, c'est celle qu'on appelle la mémoire sémantique. Voilà. C'est des choses qu'on sait sans que ça rappelle à un événement particulier. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi ? Les tomates sont rouges. Bon, vous me direz, si vous avez découvert qu'une tomate était rouge à un moment précis dont vous vous souvenez précisément, d'accord, c'est de la mémoire épisodique. Mais enfin, bon, la mémoire sémantique, c'est les connaissances générales sur le monde, et puis la mémoire épisodique, comme son nom l'indique, c'est une mémoire liée aux épisodes. C'est-à-dire un truc dont vous vous souvenez, ah oui, je me souviens très bien le jour où j'ai été dans le potager de ma grand-mère et où j'ai découvert que les tomates étaient rouges. Ça, c'est de la mémoire épisodique. Et dans la mémoire épisodique, il y a la mémoire autobiographique, c'est-à-dire l'accumulation au fur et à mesure du temps de tous les événements qui construisent notre moi, qui construisent chacun notre identité, ce qui fait que c'est pas demain matin qu'on pourra être exactement comme des machines, parce que nous faisons, en fait, pour les matheux, moi j'y connais rien, mais en gros, moi, pour moi, la référence à ça, c'est l'intégrale de. On fait l'intégrale de la totalité des événements qui, hein, depuis la première minute, et peut-être même avant la première minute de notre vie, à l'air frais.
Et donc, c'est cette mémoire autobiographique qui est fortement en rappel avec le temps, qui est ici questionnée. Si je devais faire de nouveau la comparaison avec une manip de type hyperscanning, ce serait une manip où effectivement les personnes, les deux là, cherchent à identifier ensemble des souvenirs communs, et ça met spécifiquement en jeu des circuits très particuliers de la mémoire à long terme, qui sont principalement médiés par les hippocampes, et dont vous savez qu'en particulier, c'est une atteinte fréquente dans la maladie d'Alzheimer, entre autres. Voilà. Donc, cette histoire de mémoire autobiographique qui construit mon moi, c'est très bien dit dans le film. Je ne sais plus qui je suis parce que je ne me souviens pas. Si tu retrouves le plésiosaur qui est dans le passé, je retrouverai qui je suis. Et puis en fait, ils ont complètement inversé le jeu. Bon, il y a ici beaucoup de plaisir. Donc c'est des clés. Moi, je les ai lues comme des clés de ça. C'est pour ça que ça m'a intéressé de voir. Évidemment, là, quand j'ai revu le film, je l'ai vu à l'aune de, effectivement, la mémoire des faits passés, la construction de la mémoire autobiographique, et le fait que finalement, c'est en arrivant à maîtriser un certain nombre d'éléments dans cette mémoire autobiographique qu'on arrive à être libre. Voilà, c'est super. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Ouais, il y avait déjà, j'avais pas encore commencé, il y avait déjà des lois qui se lèvent, donc on va faire comme ça. Après, Quentin, il y avait une dame qui a levé le doigt avant toi, c'est comme ça. Moi, je voulais le plésiosaur, ça correspond à quelque chose ou c'est simplement une invention? Alors, la deuxième question, cette phénomène de l'inversion entre les deux personnages, est-ce qu'on peut le rapprocher de quelque chose? Alors, pour ce qui est du plésiosaure, non, franchement, faut aller au Muséum d'Histoire Naturelle. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à une otarie, mais bon, une grosse otarie, mais bon, une otarie quand même. Non, je ne sais pas. Le phénomène de l'inversion entre deux personnes, alors, dans les états dissociés, le mot habituel étant les états psychotiques, il y a tout un tas de choses qui par définition correspondent au fait que la personne se sent autre, se sent différente, se sent extérieure à elle-même, se sent, etc. Les hallucinations auditives des schizophrènes font partie de ça. L'hallucination auditive, c'est, enfin l'hallucination générale, c'est l'idée de percevoir quelque chose qui n'est pas un stimulus perceptif. Donc l'hallucination auditive du schizophrène, c'est ça, c'est j'entends des voix, mais vous noterez d'ailleurs qu'il y a des schizophrènes qui entendent des voix de l'intérieur, et d'autres qui entendent des voix de l'extérieur. Et ça correspond à des vraies différences, même anatomiques, de leur cerveau. Alors, au-delà de ça, les phénomènes de dissociation qui est « je suis à l'extérieur de moi », il y a d'autres éléments, mais ce n'est pas exactement votre question, j'en ai conscience. Il y a des éléments, par exemple, de décorporation. Les gens qui sortent de leur corps. Ça correspond aussi à des mécanismes franchement neurologique. Il y a un monsieur très bien qui s'appelle Olaf Blanke qui ne travaille que là-dessus et qui sait exactement comment stimuler certains endroits du cerveau où les gens expérimentent un truc de décorporation, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes, ils voient leur corps à l'extérieur. Voilà. Après, est-ce que l'inversion entre deux personnes existe vraiment en pathologie humaine? Je ne sais pas. Tu sais pas? Elle ne sait pas non plus. J'aurais une question pour Madame Sombrin cette fois-ci. Madame Hertz-Panier nous a expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux de coma. On sait qu'il y a plusieurs niveaux de sommeil aussi, je crois qu'il y en a quatre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi plusieurs niveaux de transe? Je pense à deux extrêmes. Le premier extrême qui serait lorsque j'étais dans une église gospel, j'ai cru remarquer que les gens passaient carrément en transe, le rythme du tambour étant remplacé cette fois-ci par le gospel. Et puis, il y a l'état de transe par les psychotropes, effectivement, qu'on peut voir dans le film La forêt d'émeraude, où la personne prend cette fois-ci le rôle de l'animal qui la représente grâce justement au psychotrope. Ça, c'était ma première question. Et deuxième question, toujours à vous. Vous avez dit que pour les psychotropes, c'était certain d'obtenir à 100%
l'état de transe. Mais est-ce que, comme pour l'hypnose, par exemple, il n'y a pas des gens qui ne sont pas sensibles à l'état de transe et qui, par exemple, en prenant cette psychotrope, dormiraient tout simplement ou autre chose ? Je n'en ai pas connaissance en ce qui concerne les psychotropes. Je n'ai pas connaissance de gens qui n'aient pas été réactifs à ça, mais je n'ai pas l'ensemble des données là-dessus, donc ma réponse sera « je ne sais pas ». Et pour les niveaux de transe, évidemment, hein, on va appeler ça les états modifiés de conscience ou de la cognition, l'état modifié de la cognition. Il y a différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle les états modifiés de la conscience, les naturels, donc le rêve, l'état amoureux. Il y a plein d'états naturels qu'on vit qui sont des états modifiés de conscience, dans la mesure où on peut dire que ce sont des états modifiés de conscience dès qu'on perd la notion, on parlait du temps tout à l'heure, dès qu'on perd la notion de temps, qu'on se dit bon ben, oh là là, il s'est passé 2 heures, j'avais l'impression qu'il s'est passé 1 quart d'heure, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que pendant les transes chamaniques, on a une diminution de la perception de la douleur. Donc par exemple, quand vous avez fait quelque chose qui vous a passionné, puis que vous sortez de cet état et que tout d'un coup vous dites « oh là là, j'ai froid », vous n'êtes pas rendu compte que vous aviez froid, c'est-à-dire que vous avez vécu, vous avez traversé aussi une étape d'un état modifié de conscience. Il y a un autre niveau qui est la force, l'augmentation de la force physique. En Mongolie, le tambour pèse 7 à 8 kilos. Et les premières fois que j'ai tenu ce truc-là, je me suis dit que je ne tiendrai jamais le temps de la transe qui dure 2, 3, 4, 5 heures. Et un chaman, sans problème, au début, je posais la question au chaman, je lui dis, mais c'est pas possible votre truc-là. Il me disait, les esprits t'enseigneront. Voilà. En général, c'est très bien finalement. Hein. Ça m'a énervé beaucoup au début, mais bon, c'est bien parce que je me suis rendu compte par moi-même. Et c'est vrai que c'est une connaissance qui ne s'acquiert que par la pratique. Et donc j'ai compris que, effectivement, dans cet état, je pouvais tenir le tambour pendant 4-5 heures en sautant dans tous les sens, en faisant plein d'animaux et sans problème. Et même sans courbature le lendemain, vous vous rendez compte ? Comme je suis pianiste de formation, je me dis si je pouvais transporter mon piano comme ça, ce serait bien quand même. Et donc l'autre état encore au-dessus, c'est les visions. Voilà, on a des visions, on a des perceptions. Alors, les yeux fermés, c'est comme si nos sens, tout d'un coup, avaient un niveau 2 de fonctionnement. C'est-à-dire que pendant les trans, souvent, on renifle comme un chien, comme un animal. Et quand on renifle, on ne sent pas des odeurs telles qu'on a l'habitude de les percevoir, mais le nez sent ce qui serait l'information à l'origine de l'odeur. Et donc on a des tas d'informations comme ça qui changent, mais qui sont là et que les chamans utilisent pour faire des diagnostics, entre guillemets, et qu'ils utilisent. Donc voilà ces différents niveaux, mais à partir du moment où vous avez vécu un de ces niveaux de transe, ben vous savez que vous avez vécu des états modifiés de conscience, mais on en vit tous. Les états d'urgence, par exemple, quand on a des... Quand on se bat, vous avez vu des gens qui se battent, ils ne sentent pas les coups. On est beaucoup moins sensible au coup, donc la douleur, on la sent beaucoup moins. On sent l'impact, mais ça fait moins mal que quand on sort de cet état où on se dit « oui, aïe, j'ai mal voilà. ». Voilà. Donc l'état de la colère est aussi un état naturel. Voilà. Et après, on se dit en Occident, mais qu'est-ce qui nous permettrait d'accéder à la transe ? On a un état qu'on vit tous, en principe, c'est l'orgasme. Bon, attends, Isabelle, parce que là, il y a Isabelle qui veut faire un commentaire. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là et on va. Non, attendez. On va tous se mettre en transe. Est-ce que tu as amené la cassette ? Non, parce que là, je pense qu'il y a une caméra. On est combien ? 200 dans la salle ? C'est 85%. Donc là, normalement, on devrait voir si ça marche. Mais c'est possible ? C'est dangereux. T'es pas couvert par ton assureur pour ça, mais je vous promets l'année prochaine on fera. On peut organiser ça, Jean-Philippe. L'année prochaine, pas de soucis. On fait ça l'année prochaine. Ouais, bah, ça va être génial. Bon, vas-y, ton commentaire. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur la dissociation pour répondre à madame. Une référence cinématographique, en fait, dans Shutter Island de Martin Scorsese, il y a un phénomène de dissociation, puisque Leonardo DiCaprio pense être le psychiatre, alors qu'en fait, il est le patient. Et donc... J'ai spolié. Bon. Ah, Denis Lahan a dit qu'il s'était appuyé pour écrire cette histoire sur des comptes rendus cliniques excessivement précis. Voilà. Donc dans toutes les interviews, il fait état de phénomènes de dissociation qui l'ont vraiment aidé à étayer cette histoire. Voilà.
Donc voilà, il y a encore plein d'exemples au cinéma. Quentin avait une petite question. Ah, j'ai pas oublié. Je voulais vous demander, scientifiquement parlant, c'est quoi un souvenir ? Je me rappelle pas, c'est la réponse. Dis donc, je vais finir par regretter d'être venu. Hein. Alors, je m'en souviens pas. C'est elle qui me l'a soufflé quand même. Hein. Bon, alors, un souvenir, c'est une trace neurale, c'est-à-dire une configuration protéique, dans un neurone de l'hippocampe, mais qui ne vit pas tout seul, parce que s'il reste dans l'hippocampe, il ne sert à rien, parce que l'hippocampe, c'est un peu comme le Loctin syndrome. Hein. Si vous mettez un hippocampe dans une boîte de pétri, il aura beau avoir un souvenir dedans, il ne se passera rien. Hein. Donc c'est la reconnexion d'une trace neurale de quelque chose de vécu qui se reconnecte avec l'ensemble du cerveau et permet de rappeler à la conscience ce qui fut passé et qui a entraîné cette modification neurale. Alors, je le dis à ma façon parce que heureusement j'ai une collègue qui est vraiment très spécialisée là-dedans, donc elle m'a appris pas mal de trucs. Mais moi, c'est pas mon job hein, quand même. Bon, je vous le dis hein, parce que bon. Donc il y a dans la formation des souvenirs plein d'éléments intéressants. Là, on va faire le petit côté pédiatre enfant. Vous savez que, enfin, je voudrais bien savoir à quel âge vous avez vos premiers souvenirs. Ça dépend des gens. Hein. Enfin, celui qui me dit qu'il a un souvenir à 3 jours, je le crois pas. De vie, hein, j'entends. Donc au début, il n'y a pas de souvenir. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de souvenir. Ce n'est pas que l'enfant vit rien. Au contraire, c'est que l'enfant vit des choses, mais que comme la connexion entre son hippocampe et ce qui le consolide et le reste de son cerveau n'est pas mature, eh bien, ça n'est pas... Ça ne revient pas à la conscience. Voilà. Pour que quelque chose vienne à la conscience, ça c'est de façon générale, pour que quelque chose vienne à la conscience, je vous renvoie aux travaux magnifiques de Lionel Nakache et Stanislas Dehaene, il faut qu'il y ait un stimulus qui rentre par quelque part, je ne sais pas si c'est un stimulus visuel, ça rentre par le cortex, enfin, par les yeux, le cortex visuel, etc. Et si ça ne va pas embraser le cortex préfrontal, c'est un souvenir dont on ne se souvient pas, c'est un stimulus qu'on dit subliminal. Quand on prend conscience de quelque chose, hein, eh ben c'est qu'on a embrasé un certain nombre d'endroits dans le cortex préfrontal notamment, sur la base d'une perception. Pour un souvenir, c'est un peu la même chose, c'est une trace neurale dans l'hippocampe, et quand on rappelle ce souvenir, cette connexion avec le reste de l'un permet de réaccéder, sous un mode qui est très intéressant et très à l'étude en ce moment, qui est un mode qu'on appelle la reconsolidation du souvenir. Ce qui veut dire que chaque fois que vous rappelez un souvenir, vous réactivez le circuit, mais donc vous le modifiez. Et si je faisais les choses de façon un tout petit peu caricaturale, je vous dirais qu'au final, les souvenirs que vous avez ne sont pas réels vraiment, parce que, vous savez, c'est la vieille dame avec le vieux monsieur, et la vieille dame te dit « Tu te souviens quand tu avais 5 ans ?»« Tu sais, mais si je m'en souviens bien, tu faisais ça !» Or, elle n'était pas avec lui quand il avait 5 ans. Donc elle ne s'en souvient pas, elle raconte qu'il lui a raconté 50 fois qu'il avait fait ça quand il avait 5 ans, et donc elle le répète. Et la reconsolidation modifie la trace mnésique, c'est-à-dire modifie le souvenir. J'ai fait de mon mieux. Oui, oui, enfin, oui, oui, elle est matérielle, oui. Ah, c'est pas que de l'électricité. Alors, oh là là, ah oui, ça, oui, 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 sans aucun mal. Ah oui, 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 on peut le faire. Oui, oui, bien sûr qu'on peut créer des faux souvenirs. Il y a des méthodes électriques pour le faire. D'ailleurs, je vous parlais d'épilepsie tout à l'heure en vous parlant des gens qui sentent des mauvaises odeurs et tout ça et tout ça. Mais il y a des gens qui ont des crises d'épilepsie qui sont des mauvais souvenirs, faux souvenirs, bien sûr. Bah, alors là, c'est très banal, très fréquent. J'ai une question pour Corinne. Il me semble que ce film rappelle quelque chose au niveau chamanique. C'est ce qu'on appelle aller chercher l'âme de quelqu'un quand, sous l'effet d'une frayeur ou d'un accident, elle est partie. La personne est toujours vivante, mais on dit, d'un point de vue chamanique, qu'elle n'est plus là. Et le chaman va faire, comme dans ce qu'on a vu du contact, aller là où elle est et la ramener. Alors, ma question un peu peut-être personnelle, c'est est-ce que toi, tu as été amené à
à vivre certaines choses et à aller chercher des âmes perdues dans ton expérience ? Non, non, pas du tout. Mais en revanche, les chamans ont un rituel qui s'appelle le rappel de l'âme, qui consiste à mettre un peu de lait dans une tasse et envoyer. En Mongolie, il y a des tipis, si ce sont les tzatans ou des yourtes, hein, si ce sont des Mongols d'origine. Donc, et envoyer quelqu'un à l'extérieur du tipi ou de la yourte, l'envoyer à l'extérieur avec un récipient vide. Et donc, le rituel consiste pour le chaman à envoyer des cuillères de lait. Il y a un trou à fumer, hein, en haut du tipi ou de la yourte, donc c'est ouvert. À envoyer du lait à travers ça, et la personne qui est à l'extérieur doit récupérer des gouttes. Et la réponse, est-ce que l'âme va revenir ? Parce que dans cette tradition, ils ne vont pas chercher l'âme, c'est l'âme qui décide en fait. Et donc est-ce que l'âme va revenir ? Eh bien, la réponse est, si il y a beaucoup de liquide récupéré dans le récipient à l'extérieur, l'âme va revenir. S'il n'y en a pas beaucoup, l'âme se pose des questions, elle hésite. Et s'il n'y a pas du tout de liquide, l'âme ne reviendra pas. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée de la façon dont les rituels sont. Voilà. Donc ça ne donne pas très confiance, hein, non plus. Hein, mais c'est une façon pour eux de. Alors l'âme, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on acquiert quand l'enfant est un fœtus. Et l'âme arrive dans le fœtus par l'annulaire. Et pour éviter que, quand on n'est plus un fœtus, pour éviter que l'âme s'en aille, ils mettent une bague en argent. J'en ai une là, au cas où, hein, pour que l'âme s'en aille pas. Justement, quand on a des grosses frayeurs, où les gens sont prostrés, ça c'est identifié en Mongolie, mais ils ne l'expliquent pas comme nous, évidemment, ils disent que son âme est partie. Et donc son âme est partie, parfois parce que la personne n'a pas mis la bague qu'il fallait pour retenir. Et il y a un très joli rituel aussi, qui est que quand on partage une boisson, de la vodka en général, quand on partage une boisson, le rituel c'est d'abord de tremper son annulaire dans la boisson pour nourrir son âme avant de nourrir son ventre, voilà. Donc ça, c'est joli. Donc on trempe l'annulaire et on fait une offrande au ciel, à la terre et au vent avant de boire. Pardon ? Je ne sais plus. Je crois que c'est le gauche, en fait. Et ça s'en va par le droit, il me semble, mais je suis pas sûre. Oui. Alors, bonsoir. Alors je voulais savoir si vous avez eu connaissance de personnes justement dites psychotiques, schizophrènes, qui ont été guéries par des transes ou par des séances avec des chamans, et si vous connaissiez des lieux où chamans et psychiatres travaillent officiellement ensemble, donc par la voie médicamenteuse et par la voie spirituelle, et si ça commence à se faire ou pas. Alors en Amérique du Sud, il commence à y avoir quelques centres, mais ils utilisent des psychotropes, alors ça ne plaît pas trop en Occident. Donc en revanche, nous on développe un programme avec des psychiatres, avec un neuropsychiatre qui s'appelle Patrick Lemoine, et on va essayer d'utiliser ces outils dont je vous ai parlé sur des gens qui souffrent de troubles de la dissociation. Donc parce qu'on a identifié, donc dans l'article qui va apparaître, on a identifié la transe comme étant un phénomène dissociatif non pathologique, alors qu'il y a des gens qui souffrent de ce phénomène dissociatif de façon pathologique. Donc voilà, donc on va essayer, puisque en parlant des trans et en parlant de ce que ces gens racontent de leur crise de dissociation, il y a des similitudes, c'est pas la même chose évidemment, mais il y a des similitudes, et ils pensent que peut-être en provoquant la trans grâce à ces outils, on va peut-être obtenir des réponses intéressantes, mais bon, c'est encore un gros point d'interrogation, et il y a donc des démarches qui sont faites dans ce sens, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à ces phénomènes de façon sérieuse. Après, il y a beaucoup de n'importe quoi, il faut bien le dire. Bon, merci beaucoup. Non, je sais que je vois encore des doigts, vous avez beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là pour ce soir, parce que vous savez qu'après, on va continuer à discuter, mais avec du liquide, parce qu'il paraît que c'est meilleur pour les âmes. C'est ça, j'ai suivi. Bon, ça vous ferait ce que vous voulez avec votre verre tout à l'heure, mais vous irez voir, on va vous donner un peu le mode opératoire. Donc comme à chaque fois, Anaïs de la librairie Caribde, rue de Charenton dans le 12e, dis-moi le numéro, c'est 120 c'est 129. 129, j'étais juste en face, mais bon, on la voit, si on est au 120, on trouve. Qui, chaque fois, va nous présenter quelques livres. C'est pas le chouchou celui-là ? Pas encore. Ah, d'accord, je veux rien. Bon, vas-y.
J'en profite pour placer très vite, si vous voulez continuer à parler chamanisme, à la librairie Caribe, ce vendredi-là, à 19h30, on reçoit Bérangère Cournut, qui va nous parler de son roman « Née contente à Oraibi », qui est un roman sur les Hopis en Arizona, qui est très beau, poétique, solaire, magnifique, et qui aborde notamment ces questions-là de façon assez magnifique. Voilà. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, vous venez. Mais les rencontres à la librairie Caribe, c'est vraiment super. On s'est bien amusé d'ailleurs quand vous nous avez invités. C'était très bien quand vous étiez là. Merci. Alors du coup, je ne suis pas tellement partie dans des trips chamanes par contre. Le problème avec ce film et du coup avec les romans que j'ai choisis, c'est que c'est inracontable. Il va falloir me faire confiance. J'ai commencé par Ian Banks, Entre Fers. Qui s'appelle The Bridge en anglais. Ça commence par un crash, un accident de voiture sur un pont. Et puis à un moment, on reprend, il y a un amnésique qui est en train de raconter ses rêves à un onirologue, le docteur Joyce. Et il découvre en fait une société qui est une espèce d'immense pont traversé par des trains où il y a ses habitants, ses rituels, etc. Et puis on enchaîne, on rencontre un guerrier barbare qui, lui, refuse des séances d'hypnose. Et puis, petit à petit, il y a des choses de plus en plus folles des couches qui s'ajoutent. Et il y a toujours des motifs qui reviennent, qui sont assez étranges. C'est un magnifique roman, notamment sur le fonctionnement de l'inconscient, des choses qui essayent de revenir, des choses qui essayent d'être dites. C'est une superbe mosaïque, en fait, entre héroïque fantasy, roman réaliste et sentimental, parce qu'on a toute une partie où on a un jeune homme et la femme qu'il aime dans les années 60 jusqu'à nos jours, avec des références au rock. Enfin voilà, c'est une espèce de mosaïque absolument, ultra riche, qui est absolument fascinante. Et c'est un très bon Ian Banks, qui est connu aussi pour avoir écrit le cycle de la culture en SF Space Opera. Je ne sais pas si vous voyez, là c'est un autre registre, c'est vraiment très bien aussi. Ensuite, j'enchaîne avec un classique, Ubik de Philippe K. Dick, sur les rapports compliqués à la réalité. C'était impossible de ne pas citer K. Dick. Ubik, pour moi, c'est un des grands livres de Philippe K. Dick. Il y a toutes ses obsessions et une très très grande construction, ce qui n'est pas toujours le cas dans ses romans. On commence dans une société ultra libérale qu'on connaît, qui a beaucoup été réutilisée ensuite, notamment en film de SF. Donc l'exemple, c'est on paye pour se faire obéir de son électroménager. Si vous voulez sortir de chez vous, vous payez la porte parce que sinon elle s'ouvre pas. Et des multinationales ou des corporations se pratiquent l'espionnage industriel en embauchant des précogs et des télépathes. Et donc on suit Joe Sheep qui recrute lui des anti-psys pour faire du contre-espionnage, enfin voilà, pour bloquer ce genre de pouvoir. Et il commence par une erreur de recrutement, par une jeune nana qui lui dit à demi-mot qu'elle joue un peu avec le temps. Commence une mission justement de contre-espionnage sur la Lune qui tourne mal. Certains se retrouvent en semi-vie dans le coma. Et puis, à un moment, on ne sait plus où on en est. On est en train de reprendre un truc en cours de route. On se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite maligne qui serait en train de jouer avec le temps? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème avec la réalité? Il y a des publicités pour Ubik qui semble être un truc qui fait tout. Qui est à la fois de l'ordre du produit ménager, du produit boursier, de l'assurance, qui s'incruste dans la réalité, qui commence à contaminer tout ça. C'est une ambiance dickienne qui est hyper particulière. C'est un roman qui date des années 60, 70, je crois, et qui pourrait être désuet aujourd'hui, mais c'est pas de la SF prospective du tout. Ça parle vraiment de nous, quoi, de notre rapport à la réalité, avec une ambiance totalement paranoïaque. Si vous avez jamais lu de Philippe K. Dick, lisez celui-là. C'est juste voilà un des grands romans qu'il faut avoir lu, quoi, et qui se relie encore très bien aujourd'hui. Ça a l'air d'être une induction de la transe. Il y a écrit on lit Ubik et on devient bizarre.
Et le dernier, le chouchou, c'est Refuge 3-9 de Anna Starobinets, jeune auteure russe d'aujourd'hui. C'est, alors c'est pareil, comment vous voulez raconter ça, c'est, ça commence à Montreuil, je crois, au Salon de Vive Jeunesse, une autrice ou traductrice de romans jeunesse russes qui a un malaise et puis qui se découvre une amnésie en fait. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne se posait pas jusqu'ici, puis elle se trouve, elle n'a pas la réponse. Par exemple, qui gouverne en Russie aujourd'hui? Elle ne sait pas. Elle ne sait même plus très bien à quoi ressemble la Russie aujourd'hui. Et elle a ce besoin de rentrer. Et il se trouve que ça va être un voyage compliqué. En parallèle, on suit un enfant qui est tombé dans la fosse d'un train fantôme et qui se découvre dans un univers de contes russes, chez Baba Yaga, dans sa maison en pâte de poule. On découvre aussi en Italie un homme qui éprouve la même pulsion de devoir absolument rentrer en Russie, sauf que lui il sort de prison parce qu'il était il est illusionniste. Donc une ambiance extrêmement étrange, ces trois parcours qui convergent avec des échos de l'un à l'autre, des béances où on se dit ça pourrait se combiner, mais en fait ça se combine mal. C'est à la fois une Europe de déglingue avec des obsessions, des histoires d'hôpitaux psychiatriques, d'orphelinat, d'adultère, une espèce de crudité du quotidien qui est absolument terrible et glauque. Et en parallèle, la féerie et la cruauté des contes russes qui se mêlent avec ça d'une façon qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est un mélange hyper organique qui est absolument original. Elle a un imaginaire que moi j'ai pas lu ailleurs. Et oui, voilà, tout ne s'emboîte pas. On se dit au début qu'on voit à peu près où ça va et tout, mais en fait, non. Et je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment le lire. Merci beaucoup, Anaïs. Je précise aussi que j'ai des livres de Corinne. Si vous voulez poursuivre la découverte de ses expériences chamaniques, j'ai quelques titres à vendre aussi. Ben, merci beaucoup, Anaïs. Oui, bien sûr. Hein. Nous, on est libre, on fait ce qu'on veut. Merci aussi à nos deux intervenantes. Alors, les annonces. Donc, le mois prochain, on voit, c'est un Sherlock Holmes. On vous expliquera pourquoi. Il y a des numéros de Pour la Science que vous pouvez prendre gratuitement aussi. Il paraît qu'il y a une caisse en bas. Et donc le mois prochain, moi je vous rejoindrai qu'après le film parce que j'ai un truc plus important à faire, j'ai mon fils qui fait un concert avec son orchestre, donc je vous rejoindrai juste pour le débat, mais j'ai déjà vu le film. Ça sera Cédric qui sera là, j'espère. Voilà, à tout de suite.